race, sexe et colonialisme, perspective européenne et au-delà. Quel rapport creuser dans l'histoire pour mieux comprendre les réalités de nos sociétés contemporaines. Voilà le sujet de notre débat avec Elsa Dorlin et Leila Slimani. Bonjour Elsa de Marseille. Bonjour. Et bonjour Leila qui est à Paris. Bienvenue, chères auditrices et spectateurs partout dans le monde. Bienvenue au Weltempfang, à l'accueil mondial de la Foire du Livre de Francfort de l'an 2020. C'est une foire très virtuelle, il est vrai, mais cette virtualité sied, pour ainsi dire, bien à notre sujet. Hein. À l'heure où les contours de ces conseils deviennent de plus en plus flous, que les définitions mêmes se dissolvent progressivement, car ce quoi la race, ce quoi le gender, et quoi le colonialisme? Mais même si ces notions de sexe, de race sont controversées ou mises en cause de nos jours, il y a, vous n'allez pas me contredire, je pense, le sexisme, le racisme. Et même si nous sommes aujourd'hui à 60 ans de l'an 1960, qui est entré comme année africaine, comme année des décolonisations, dans le calendrier politique des Nations Unies, les traces du colonialisme sont tout de même omniprésentes. Et si j'en discute maintenant précisément avec Elsa Dorlin, professeur de philosophie politique et sociale à l'Université Paris 8 Saint-Denis, grande spécialiste de la question de la pensée féministe, médaille de bronze du CNRS en 2009 pour l'ensemble de vos travaux, et avec Leila Slimani, écrivaine franco-marocaine qu'on ne présente plus aujourd'hui depuis qu'elle a obtenu le prix Goncourt en 2016, officier de l'Ordre des Arts et Lettres en 2017, représentant personnel d'Emmanuel Macron au sein de l'Organisation internationale pour la francophonie depuis 2018. Et si cela ne tenait qu'à Macron, ministre de la Culture en France même, et j'en passe. C'est que vous êtes là toutes les deux, mesdames, précisément parce que vous avez toutes les deux publié des livres qui vont droit au cœur de notre sujet. Et que les lecteurs et lectrices allemandes, germanophones, ne vont pas tarder à découvrir le plus tard au printemps 2021. Pour vous, Elsa Dorlin, c'est un essai, je dirais, historico-politico-socio-philosophique pour lequel vous avez obtenu en 2018 le prix Franz Fanon. Se défendre, une philosophie de la violence. Apparaître chez Suhrkamp, intitulé « Selbstverteidigung, eine Philosophie der Gewalt », dans la traduction de Andrea Heminger, qui a aussi assuré les traductions de Michel Foucault. Pour vous, Leila Slimani, sur votre nouveau roman « Le pays des autres », paru tout récemment chez Gallimard, premier volet d'une saga familiale franco-marocaine qui se déroule au Maroc et qui s'étale sur trois générations, la version allemande, assurée comme d'habitude par Annelie Thomas, va paraître aux éditions Luchterhand, intitulée « Im Land der Anderen ». Elsa Dorlin, vous êtes la spécialiste, pour les questions philosophiques de la race et du genre, avec trois études précédentes. 2001, « L'évidence de l'égalité des sexes », une philosophie oubliée du XVIIe siècle. En 2006, « La matrice de la race », « Généalogie sexuelle et coloniale de la nation française ». En 2008, « Sexe, genre et sexualité », « Introduction à la théorie féministe ». Et là, avec « Se défendre », vous présentez une, je dirais, réflexion historico-philosophique sur l'autodéfense, qui a l'air d'être un sujet plutôt masculin. Une philosophie du muscle, comme vous le dites vous-même, partir du muscle plutôt que de la loi. Cette autodéfense, qui est pour vous, si j'ai bien compris, une loi de la nature et un droit naturel de chaque organisme vivant, et qui se déclenche comme un réflexe de survie, comme dernier recours chez ceux et celles, comme vous disiez dans un entretien, qui n'ont rien et qui ne sont rien.
sauf être dominés, exploités, persécutés, marginalisés, menacés, expulsés, et qui ne peuvent pas compter sur le droit institutionnalisé, le droit légal, sur l'État, qui sont indéfendables, comme vous dites, des individus qui réagissent en désespoir de cause, tel un muscle, longtemps trop crispé et contracté, et qui se déclenche sur le coup en situation de danger ultime. En l'occurrence, dans vos livres, dans votre livre, ce sont les Noirs, les femmes, les Juifs et les Cuirs. Et vous retracez de façon absolument poignante, à travers les siècles et les continents, les méthodes qu'ils ont trouvées, déployées pour se sauver en dernière instance de combat pour la survie. Ces quatre groupes, on les retrouve à dosages différents, mais bien là, bien présents, aussi dans le roman de Leila Slimani. Et toutes les deux, vous aviez d'autres préoccupations littéraires avant, d'autres sujets et thèmes, me semble-t-il. En entrée de matière, j'aimerais donc savoir de vous deux, qu'est-ce qui a bien pu vous pousser à changer d'optique et de registre pour retracer, Elsa Dorlin, cette piste d'une philosophie du muscle, de la violence comme autodéfense. Était-ce un terrain vague de la philosophie, une urgence ressentie spontanément ou un sujet choyé depuis toujours? À vous. Merci beaucoup. Non, c'est un sujet au long cours, une étude qui a nécessité à peu près 7 ans de recherche dans les archives, puisque moi je travaille beaucoup en philosophie, mais à partir d'un matériau archivistique. Et c'est de toute façon une perspective que je poursuivais depuis des années sur une réflexion qui a trait au corps et à la question des résistances des corps et des vies qui ne sont pas reconnus comme des sujets de droit. Et pour moi, il est fondamental aussi peut-être de, non pas de faire un livre sur le féminisme, mais plus exactement de prendre une perspective féministe, d'adopter une méthodologie féministe et donc de m'impliquer également comme sujet de connaissance dans mon écriture. Et de pouvoir traiter de façon un peu constellaire cette philosophie de la violence qui traite, comme vous le disiez, à la fois des résistances esclaves, des résistances des femmes et des hommes esclaves, des luttes de libération, de l'autodéfense, évidemment, du Bund, c'est-à-dire du parti ouvrier juif polonais, russe. Et cette perspective, en fait, elle était vraiment essentielle de partir, y compris d'une expérience vécue en tant que philosophe et autrice. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait, effectivement, un moment d'être traversé par la violence et qu'est-ce que pouvons-nous faire de cette expérience qui est extrêmement prosaïque, quotidienne, et comment on peut en travailler les tensions dans une écriture philosophique qui vient critiquer sévèrement la tradition classique. Je me suis demandé si vous élargissez un peu le champ de la réflexion philosophique, à vrai dire, parce qu'à l'époque, on avait les trois matières, on avait l'éthique, l'esthétique et la philosophie ontologique. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Est-ce que je me trompe? Mais en fait, ça, ce sont des classifications disciplinaires et universitaires de la philosophie. La philosophie, on peut parler de la philosophie telle qu'elle est enseignée d'un point de vue universitaire et scolastique. Et puis, il y a d'autres traditions de la philosophie qui comprennent d'autres modes de déploiement, en fait, de la réflexion critique et qui participent de courants hétérodoxes, minoritaires, parmi lesquels une partie, par exemple, de l'épistémologie historique s'est déployée, ensuite qui donnera lieu à l'œuvre de Foucault, évidemment. Mais je pense aussi à toute la phénoménologie telle que la réinscrit Frantz Fanon dans une réflexion critique et de pensée des luttes. Et puis, il y a tout un pan de cette philosophie de la tradition philosophique noire qui est complètement sous-déterminée
fermée ou en tout cas méconnue dans les traditions européennes. Et enfin, on peut encore puiser dans un corpus très ancien, constitué au moins depuis le XVIIe siècle, et qui est celui de la philosophie féministe, même si le terme féministe est évidemment anachronique en la matière, mais qui en fait charrie de textes très importants de philosophie morale et politique, de métaphysique, qui viennent déconstruire, décentrer le sujet classique de la philosophie, qui est un sujet enfin, désincarné, sans corps, et qui est en fait sujet dans ses privilèges cognitifs. Oui, merci beaucoup pour ces explications. Voilà, le mot-clé, c'était désincarné, incarné. C'est dans le roman de Leila Slimani qu'on trouve incarné pas mal de vos conseils théoriques. Leila, depuis 2014, depuis 6 ans, votre ascension comme écrivaine est fulgurante. Vous avez 9 titres à votre actif, donc 5 traduits en allemand, prochainement 6, entre autres Dans le jardin de l'ogre, All das zu verlieren, Chanson douce qui a eu le prix Goncourt, Dann schlaf auch du, Les diables dans les détails, Warum so viel Hass, Sexe et mensonges et Parole d'honneur. Vous êtes considérée comme une voix fraîche, féministe, qui, pour ainsi dire, n'a pas froid aux yeux, si j'ose dire, et qui manquait depuis longtemps. Et malgré la consonance marocaine de votre nom, vous vous inscrivez tout aussi bien dans le champ littéraire contemporain de la France que du Maroc, peut-être même un peu plus en France. Et comment? Avec le prix Goncourt pour votre deuxième roman, Chance douce. Pardon, voilà, chanson douce, aussi, oui, chanson douce. Et là, vous êtes la première femme écrivaine maghrébine à décrocher et la deuxième au Maroc après Tahar Ben Jelloun et la 12e femme auteure dans la longue histoire du Goncourt du tout qui débute en 1903. Une femme écrivaine qui a eu le prix Goncourt. Alors, bravo, hein. Et normalement, les sujets, c'était plutôt la solitude de la femme moderne, la sexualité, la nymphomanie, aussi la question de savoir qu'est-ce qui pousse les bonnes de tuer les enfants des familles qu'elles sont censées garder. Enfin, des sujets qui pourraient se dérouler peut-être un peu partout. Et là, vous changez de registre pour nous présenter une saga familiale absolument envoûtante, mais qui nous mène loin en arrière, dans le pays des autres, ce Maroc rural, la campagne près de Meknès, dans les années 40-50, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la lutte pour l'indépendance du Maroc, comme l'indique déjà le sous-titre de ce premier volume, La guerre, la guerre, la guerre. Alors, pouvez-vous nous raconter un peu qu'est-ce qui a déclenché cette envie de passer à autre chose? Je ne crois pas vraiment que je sois passée à autre chose sur le fond. Les thèmes de ce livre, Le pays des autres, rejoignent les thèmes des autres romans, c'est-à-dire la solitude des femmes, la difficulté de la vie domestique, comment finalement on en arrive à perdre sa sauvagerie pour devenir un être domestiqué et comment cette domestication est encore plus violente quand on est une femme ou quand on est un indigène ou quand on est un homosexuel, parce qu'on doit réfréner ses instincts primaires, on doit se montrer pas violent, on doit réfréner ses désirs, etc. Donc les thèmes sont les mêmes, ce qui change, c'est la forme. Et vous me dites, dans un roman, la forme, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc effectivement, j'avais envie de plus d'ampleur, j'avais envie d'aller chercher plus loin dans l'histoire de mes personnages. Dans mes deux premiers romans, les personnages arrivent comme ça, et puis on sait très peu de choses sur eux. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas à quelle famille ils appartiennent, on ne sait même pas grand-chose sur leur enracinement social. Et là, donc, je voulais faire un peu différemment, et peut-être d'une certaine façon aussi, faire une généalogie de la violence dont ces femmes, les personnages principaux du pays des autres, sont les victimes. Parce que j'ai essayé de aussi d'où est-ce que ça venait mon obsession pour la violence et d'où venait aussi mon obsession pour la liberté, puisque tous ces personnages à la fois sont constamment contraints, mais ont par moments des éclats soit de sauvagerie, soit de violence, soit
petits moments dans lesquels réussir à conquérir une liberté qui est malheureusement provisoire, mais malgré tout éclatante et pleine de panache. Donc je dirais que voilà, les thèmes sont les mêmes, puisqu'un écrivain travaille, pense toujours avec les mêmes obsessions, mais on essaye de transformer un peu la forme pour redonner du sens. Oui, ce qui m'a beaucoup frappé justement, le caractère sportif de certains de vos personnages féminins, ce Mathilde que vous décriviez aussi avec un corps un peu athlétique, plutôt masculin que féminin, qui adore la nage, qui aime se noyer dans le Rhin, plonger, nager, rouler très très vite, foncer en voiture, et surtout sa fille, la petite Aïcha, qui pour échapper à toutes les contraintes au Maroc, elle s'oublie en courant. Elle court derrière ses jambes, pour ainsi dire, comme vous avez écrit. Et là, j'ai dû penser aussi à Elsa et à vos propos sur la self-défense, l'autodéfense des femmes, qu'il faut, donner des muscles au corps, il faut vigorifier le corps des femmes aussi pour qu'elles aient quelque chose à opposer à cette violence masculine qui les entoure. Donc, j'avais souvent l'impression que l'une de vous écrit de façon sous-jacente à l'autre sans que vous ayez lu les livres et sans que vous vous connaissiez mutuellement. En entrée de matière, donc l'histoire, concrètement, c'est l'histoire un peu de vos grands-parents, peut-être l'histoire très émouvante de Mathilde et Amine, jeune couple mixte, très rare à l'époque. Mathilde, jeune fille alsacienne qui tombe amoureuse d'Amine, enrôlée dans l'armée française lorsqu'il arrive dans son village, alsacien victorieux en tant que libérateur. C'est le coup de foudre entre la grande blonde et son bel Africain qu'elle dépasse d'une tête. Il arrive une beauté bouleversante entourée du mythe du vainqueur. Puis ils se marient, ils vont à Meknès. Elle rêve de l'aventure, d'une vie exotique, loin de la grisaille européenne, germanique, de la guerre. Lui, en revanche, il rêve de devenir un grand propriétaire de terrain, de cultiver et de pouvoir vivre de ses plantations d'orangers et d'oliviers, de transformer le Maroc en une nouvelle Californie. Ils auront deux enfants, Aïcha et Selim, et un tas de problèmes au jour le jour. Et ces problèmes, dus au choc culturel multiple dans ce contexte colonial, vous les décrivez avec beaucoup d'empathie et de finesse. Il y a un chevauchement de perspectives permanent chez vous qui me plaît beaucoup, qui ne juge pas, qui essaie de comprendre, de rendre intelligibles les déchirements des uns et des autres. Mais ce qui frappe d'abord, c'est bien sûr la condition des femmes, qui est vraiment misérable. On entre dans le livre, la toute première scène, avril 47. Vous avez Mathilde et Amine en route vers le terrain de leur future ferme, dans un coche tiré par un mulet, une vieille trotteuse conduite par un gitan. Tiens, il y a même des gitans au Maroc à l'époque. La piste est chaotique, la mule squelettique et fatiguée, et le cocher ne cesse de la frapper pour la faire avancer. Mathilde ne peut plus, hein. Elle tente d'arrêter le cocher, elle lui dit arrête, arrête, arrête. Et lui, il redouble de violence, il crache par terre, lève le bras, et puis il dit, lui le cocher, qui est rien, qui est un esclave, un servant, un gitan, il dit à la jeune épouse européenne, tu veux tâter du fouet, toi aussi. Ça, je me suis dit, bon, ça commence bien. Et Mathilde, dès son arrivée au Maroc, elle se retrouve tout d'un coup une étrangère, une femme, une épouse, un être à la merci des autres. C'est vos termes à vous. C'est qu'on dit long sur la position des femmes au Maroc. Et vous multipliez les exemples au cours du livre. Vous avez Mouilala, la belle-mère, qui ne quitte pas plus jamais la maison, mais qui a le droit de regarder au premier étage par une toute petite lucarne le monde extérieur. Vous avez la jeune belle-sœur Selma qui se fait battre jusqu'au sang par le frère quand elle rentre un peu tard après l'école. Et vous avez la fille de Mathilde et Omar, Aïcha, qui est élevée au couvent des bonnes sœurs. Et quand la sœur Marie-Solange, elle dit, Dieu aime tous les enfants, les races sont toutes égales, Dieu aime tous les hommes, elle dit, ah bien, Dieu, il aime
les hommes et les enfants, ils n'aiment pas les femmes. Je ne veux pas être une femme. Alors, vous avez plein d'exemples et pourtant, vous avez dit dans un entretien que le colonialisme, il n'était pas seulement une entreprise d'exploitation politique et économique, mais aussi une entreprise d'exploitation sexuelle. Pouvez-vous faire un peu le lien entre l'image déjà très négative, la situation très négative des femmes au Maroc lorsque le colonialisme arrive, et puis le colonialisme, il enfonce encore le clou? Ou comment voir ça? Alors, la première chose, d'abord, c'est que dans le livre, bien sûr, je décris la situation des femmes au Maroc à cette époque, qui était une situation très difficile, mais qui était une situation en train de changer. Il y a une différence générationnelle qui va se creuser à ce moment-là, et donc une différence très profonde entre une femme comme Mouilella, qui est née à la fin du 19e siècle, qui a connu une vie cloîtrée, une vie de domination, une vie de docilité, qui est inspirée de mon arrière-grand-mère et qui était une femme qui ne savait pas lire et écrire, qui n'était pratiquement jamais sortie de chez elle et qui avait consacré toute sa vie à son mari, puis ensuite à ses enfants et qui avait pris l'habitude d'obéir d'abord à son mari et lorsqu'il est décédé, à ses propres fils. Et puis la génération de Selma, c'est la génération des femmes qui, juste après la guerre et après la guerre, 1947 de Mohamed V vont connaître le tout début de l'émancipation, puisque les indépendantistes marocains, les nationalistes vont être conscients que... C'est mieux là? Oui, là c'est parfait en ce moment. Parce que j'ai pas pu suivre au moment où vous avez fait le lien pour passer au corps exploité de la femme africaine. Et c'est ce qui m'intéresse parce que je voudrais en arriver au harem colonial de Malek Alula et reparler après avec Elsa de ça. Oui. Oui, ce que je disais, c'est que donc l'entreprise coloniale est aussi une entreprise de décompensation sexuelle pour l'homme blanc bourgeois qui est finalement corseté dans sa sexualité lorsqu'il est dans le monde occidental et qui va dans le monde colonial pour pouvoir laisser libre cours à, d'une certaine façon, à ses instincts. C'est un espace d'aventure économique, mais aussi d'aventure sexuelle. Et donc le corps de la femme africaine, comme celui de la Moukère ou de la femme indochinoise, est considéré comme un corps offert à la disposition du colonisateur qui va pouvoir en faire ce qu'il veut. Pour exemple, évidemment, il y a ces grands bordels, notamment au Maroc, ces grands bordels qui étaient mis en place pour le colonisateur et dans lequel il venait puiser auprès de cette femme en plus qui était mythifiée, idéalisée. La femme orientale était lascive, elle aimait le sexe. Finalement, on ne lui imposait rien parce qu'elle est comme ça, elle est un peu sauvage, elle est proche de l'animal. En tout cas, c'était les récits de cette époque. Et aujourd'hui encore, les lois qui, au Maroc, régissent la question de la sexualité sont des lois qui viennent de la colonisation, puisque dans la mesure où cet aspect sexuel était extrêmement important, il y a eu une codification aussi de cette sexualité. Et au Maroc, les articles du code pénal qui régissent les relations sexuelles sont directement inspirés du code napoléonien. C'est assez intéressant de le remarquer. Et bien sûr, cela ne se trouve pas du tout dans votre roman, ni dans la vraie réalité des familles bourgeoises traditionnelles du Maghreb, parce que justement, les femmes sont celles qui sont tenues à huis clos, c'est l'honneur de la famille, c'est l'honneur des hommes. Et si donc les colonisés font infraction dans cet espace protégé, c'est une humiliation qui double l'humiliation coloniale qui est déjà là. Et je crois une des scènes les plus poignantes dans votre roman, c'est justement celle où Amine passe dans la ville moderne, qu'il découvre une photo de sa sœur Selma au bras de son amant européen qui n'est pas censé être son ami, dans une vitrine d'un photographe français. Et ça déclenche chez lui vraiment une crise de violence, d'humiliation incroyable. Ça m'a rappelé un peu aussi ces photos que Malek Alula a réunies dans le harem colonial, les cartes postales
au fait de l'imaginaire sexuel érotique décollant des années 20, des années 30 du dernier siècle, et tout ça qui est censé être présenté comme la réalité à seins nus des femmes maghrébines, ce ne l'est justement pas parce que toutes ces photos ont été prises dans les bordels, qui n'ont rien à voir avec la réalité des vies des femmes qui justement restent fermées. Et Elsa, ce que j'ai trouvé intéressant, l'analyse que Malek Alou a fait dans son harem colonial, c'est exactement à partir de la chambre claire de Roland Barthes, en parlant d'une érotique de la domination, d'une impuissance jouissive. Ce sont exactement les mêmes termes que vous utilisez, vous, en faisant dans votre étude se défendre l'analyse des affiches publicitaires contemporaines de la France actuelle pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc, dans les deux cas, au fait, ce sont qu'elles soient vivantes ou mortes, qu'elles soient présentées comme prostituées ou comme blessées, tuées, tabagées, ce sont les femmes victimes et ce sont dans les deux fois des discours victimes dans les deux cas. J'ai trouvé ça très intéressant de voir ça, de voir juste cette comparaison. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot là-dessus. Oui, effectivement, c'est intéressant, mais c'est ça a été beaucoup étudié et référé à un concept qui s'appelle la pulsion scopique, c'est-à-dire cette volonté de voir, de montrer la monstration du corps des femmes et d'un corps qui est à la fois surérotisé, mais complètement rendu impuissant précisément parce qu'il n'est que l'objet d'un désir omnipotent qui est un désir masculin. Et c'est vrai qu'il y a, de toute façon, il y a une sorte de source commune entre la naissance de la photographie et le colonialisme. C'est-à-dire cette idée que justement l'espace de la colonie est un espace qui doit être dévoilé au regard européen et colon et dévoilé dans tous ses secrets mis à disposition. Et lorsque l'on parlait par exemple du corps des femmes et de la mise en scène des photographies coloniales où on montre effectivement la belle mauresque à moitié voilée, dévoilée, les seins nus, etc. En fait, c'est aussi une allégorie du pillage du territoire colonial qui est à disposition de la bourgeoisie impériale européenne. Et de ce point de vue-là, il y a effectivement entre cette idée du corps féminin qui est l'objet du désir, l'instrument du désir, le médium par lequel la satisfaction masculine va pouvoir s'effectuer. On retrouve par exemple dans les campagnes de prévention des violences faites aux femmes en Europe ou en Amérique du Nord, effectivement des corps qui viennent dévoiler la violence, mais aussi dévoiler l'impuissance féminine absolue, c'est-à-dire c'est des corps meurtris, c'est des corps qui justement, on dit appeler tel numéro d'urgence, mais de fait l'image que l'on montre est un être qui n'a même plus la force ou la capacité d'appeler à l'aide. Mais c'est peut-être très éloigné des images que l'on avait dans les années 80 de la famine en Éthiopie avec des enfants noirs représentant le continent africain dans sa pauvreté. Donc, il faut aussi penser cette idée de satisfaction. Il y a un plaisir sadique dans la monstration de l'impuissance féminine, mais qui est aussi la monstration de l'impuissance des dominés et des minorités ou des assujettis. Oui, merci. Et il y a le droit du regard que s'interroge le colon. Il y a aussi le droit de l'espace. Alors, justement, on passe à la ségrégation et au racisme. Je ne savais même pas, Leïla, quand j'ai vu votre livre, qu'à Maroc, qu'au Maroc aussi, il y avait une telle ségrégation, que les races étaient obligées de se tenir à part. On a bien. On connaît la structure des villes au Maghreb. On a toujours la médina traditionnelle avec la population autochtone et on a la ville moderne, européenne, espacée. Mais je n'étais pas du tout consciente que
les autochtones, les indigènes, les gens qui vivaient là depuis toujours avaient besoin de laissez-passer pour entrer dans ces villes. La première nuit de Mathilde et Amine, qu'ils passent dans un hôtel à Meknès, dans les quartiers européens, il y a cet adolescent dans l'hôtel qui est farouche. Il dit, lui qui devrait, vous dites, lui qui devrait fournir aux autorités un petit papier pour prouver qu'il avait le droit, la nuit, de marcher dans les rues, dans la ville nouvelle. Il en voulait à Amine de coucher avec l'ennemi, bon, parce qu'elle était une Alsacienne, hein, une Allemande pour ainsi dire, et de circuler en liberté. Alors là, c'était quand même étonnant de voir ça, et ça m'a rappelé tout de suite aussi le code noir dont vous parlez, Elsa Dorlin, qui octroyait un droit de police aux habitants des colonies, et donc on est dans les colonies du Dom-Tom, j'imagine, les Antilles, Martinique et tout ça, précisément que tout esclave trouvé hors de son habitation sans billet d'autorisation circonstanciée écrite de la main de son propriétaire serait puni par des coups de fouet et marqué de la fleur de lys. Alors on n'est pas tout à fait là, Leïla, au Maroc, mais on n'est pas loin tout de même. Moi, j'ai été assez étonnée de me rendre compte que très peu de gens avaient perçu ou compris que le protectorat marocain, même s'il était un régime sans doute moins dur que la colonisation de peuplement algérienne, par exemple, malgré tout, était un régime fondé sur une idéologie raciste, puisque c'était un régime colonial. Et le principe des villes au Maroc, le principe urbanistique qui préside à la construction des villes, c'est un principe de ségrégation. L'idée, c'est que moins on se voit et mieux on s'entend, moins on se mélange et moins il y a de risques d'émeutes, de problèmes. Donc, il faut séparer les quartiers et bien préserver le mode de vie de chacun. Mais je dirais que cette façon de voir n'était pas seulement la façon de voir des Français, c'est aussi la façon de voir d'une certaine élite marocaine. Et finalement, tout ça va se faire en accord avec cette élite, le maréchal Lyautey, qui est un peu à l'origine de la construction de ces villes-là et de ce modèle-là, comprend que le Maroc est un pays qui a enfin, une monarchie très très ancienne, une des plus anciennes du monde, a des traditions bien installées et que pour pouvoir rester longtemps et pour pouvoir vivre de manière pacifique, il vaut mieux laisser d'une certaine façon les Arabes chez eux, entre eux, vivre dans leur petite ruelle avec leurs traditions qu'on ne perturbe pas. C'est pour ça que, par exemple, au Maroc, il est interdit de visiter les mosquées pour les non-musulmans. Ça n'est pas du tout une loi qui a été mise en place par les musulmans eux-mêmes, c'est une loi coloniale, puisque le Lyautey, lui aussi, interdisait d'une certaine façon aux Français de pénétrer un peu trop dans le monde des Marocains. Mais effectivement, donc il y a une ségrégation dans les villes, il y a un couvre-feu. À partir de 18 h, il faut présenter un laissez-passer pour pouvoir travailler dans la ville européenne lorsqu'on est un Marocain. C'est surtout le cas dans les villes traditionnelles que sont Fès ou Meknès. Ça ne l'est pas dans des villes comme Casablanca ou Rabat, qui sont vues comme des villes plus modernes, avec des médinas plus petites. Mais effectivement, moi aussi, voilà, en me plongeant dans cette histoire, en allant chercher les archives, et notamment les cartes, j'ai retrouvé des cartes de 1950, 1952, où on voit de manière très, très nette les frontières qui existent dans cette ville. Et je crois que véritablement, notamment pour les femmes, la vie, et de toute façon pour tous ceux qui sont dominés, pour l'indigène, pour la femme, la vie est traversée par des frontières. On bute tout le temps sur des frontières. Vous n'avez pas le droit d'être là. Vous ne pouvez pas passer. Tais-toi, ne parle pas, reste à ta place. Et finalement, la femme, elle est à ce titre-là un peu doublement colonisée, c'est-à-dire elle est à la fois indigène et en même temps aussi elle est femme. Donc elle bute constamment sur des obstacles et sur des interdits et sur l'impossibilité de traverser ces frontières. Et il y a aussi la scène dans le train première classe qui est réservée aux Françaises. Et on voit la famille d'Amine, sa maman, avec Selma, la fille Omar, qui se trouve là. Et les bourgeoises françaises n'en reviennent pas. La première classe était interdite aux indigènes.
Elle n'en revenait pas de la bêtise et de l'impudence de ces analphabètes, la Fatma. Ça, on est à 10 ans à peu près du mouvement des boycotts des autocars déclenchés par Rosa Parks aux États-Unis. Et c'est tout de même absolument la même pensée ségrégationniste et raciste. Elsa Dolin, vous dites que le ségrégationnisme est une partie intégrante de l'impérialisme et les exactions commises contre la minorité noire sont comme un colonialisme intérieur. Alors, au fait, je me demande ce colonialisme intérieur, est-ce qu'on l'a encore au Maroc, en France? Est-ce qu'il revient de nouveau, peut-être? Le débat sur le colonialisme intérieur, il est extrêmement documenté et on a théoriquement on a essayé de conceptualiser cette idée d'un post-colonialisme, cette idée que justement après la décolonisation, en tout cas dans des sociétés anciennement colonisatrices et colonisées, on se retrouve dans un héritage extrêmement prégnant qui fait que le passé ne passe pas et qu'il y a des institutions qui sont directement liées à le gouvernement colonial et des lois qui sont héritières en fait des nations colonisatrices qui demeurent dans les pays colonisés mais aussi sur le territoire de la nation colonisatrice. Donc, mais un certain nombre de réflexions et de pensées aujourd'hui ont plutôt abandonné cette idée de post-colonialisme au profit de plusieurs concepts qui à la fois cette idée de la colonialité du pouvoir, cette idée que le pouvoir, l'État moderne, est de toute façon consubstantiellement constitué par des pratiques, des institutions, des pouvoirs qui ont été expérimentés au moment de la colonisation et qui ont été, si vous voulez, institués sous un mode commun. Et donc, on parle plutôt de cette idée de colonialité du pouvoir ou effectivement, de colonialisme intérieur. Et cette idée de colonialisme, on parlait de ségrégation, elle est en France tout à fait évidente. Et un des derniers exemples, une illustration probablement la plus récente et la plus sidérante a été au moment des mois que nous avons passés, de la crise sanitaire, sociale et politique liée au Covid. On voit bien que les populations qui sont les plus pauvres, les plus paupérisées, qui sont des populations racisées, notamment je pense à un département limitrophe de Paris qui est la Seine-Saint-Denis, a été le département où il y a eu à la fois le plus de personnes atteintes du Covid et dans des situations de dénuement par rapport à l'accès aux soins, mais ça a été aussi, donc c'est là où il y a eu le plus de morts en France, mais c'est là aussi où nous trouvons la majorité des travailleurs qui ont permis à Paris, à la bourgeoisie majoritairement blanche, de vivre, d'être nourris, d'être livrés, d'être soignés, qu'on nettoie leurs poubelles, etc. Et donc là, on voit bien que cette idée de ségrégation, c'est effectivement d'exposer au risque de mort sanitaire, culturelle, sociale, politique des populations entières avec des lignes de couleur qui sont très marquées en France. Et en même temps, en fait, cette exposition au risque de mort, c'est aussi une exploitation économique crasse qui sert une bourgeoisie et une majorité de populations en France de classe moyenne qui, dans une certaine façon, vit sur le dos d'autres populations. Donc c'est à ça que la fonction d'une certaine façon du colonialisme contemporain, c'est une fonction éminemment économique et qui fait tourner au fond le capitalisme dans le reste du monde sur le même modèle. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Leïla, France, Emmanuel Macron vient de lancer un projet de lutte contre la ségrégation ou la séparation islamiste, comme il dit.
Je pense que, ou pour le dire autrement, en France actuellement, ou dans les quartiers des grandes villes européennes, avec les banlieues, avec les quartiers des immigrés, on a ces problèmes depuis 40 ans, 50 ans à peu près, et de plus en plus fortement. Et maintenant, il y a l'idéologie islamiste qui renforce ce problème encore. Et là, Macron, il vient donc de lancer ce projet d'essayer avec des années ou des projets sociaux d'intégrer les jeunes des banlieues. Est-ce que vous pensez que c'est une idée qui, je ne vais pas vous demander votre avis du président de la République, mais ça, c'est un projet qui a l'air de s'inscrire quand même dans une espèce de réouverture de ce cloisonnement ségrégationniste. Moi, j'hésite toujours à parler des choses que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas. Cette question du séparatisme, effectivement, on lit beaucoup de choses dans la presse. Je n'en connais pas la réalité. Je serais incapable de vous dire quelle en est la teneur, quelle en est l'importance, quelle en est l'intensité. Dans la mesure où vous l'imaginez bien, c'est un sujet qui est aussi manipulé. On a des journaux bien connus, plutôt d'extrême droite ou en tout cas très à droite, qui nous expliquent que des quartiers entiers de France sont devenus inaccessibles à la police, qu'il y a un véritable séparatisme. Voilà, je ne suis pas assez informée pour vous répondre sur la réalité de ce danger, la réalité de cette situation. Je suis très prudente. En revanche, qu'il y ait besoin aujourd'hui d'une action d'importance, d'une action ambitieuse, d'une action profonde pour permettre à des jeunes. Et quand vous dites la banlieue, je ne suis même pas sûre que ce soit seulement que la banlieue soit véritablement le problème. Aujourd'hui, quand on regarde les espaces périurbains, c'est-à-dire ces espaces qui sont entre la ruralité et la ville, ou tout simplement les espaces ruraux. Moi, je passe une grande partie de ma semaine dans une région qui s'appelle, enfin, dans le pays d'Auge, dans une région où il y a énormément de jeunes qui ne travaillent pas. Je discute beaucoup avec eux. C'est une vie très, très difficile, où il n'y a pas d'accès à la culture, où il y a une difficulté pour avoir accès au transport. Donc, pour moi, ça n'est pas une question qui est seulement celle des banlieues, mais c'est la question de l'accès de manière générale de la jeunesse au travail, à la culture, à une forme de mixité, à une ascension sociale possible. Voilà, c'est ça qui me paraît essentiel. Je crois que ce serait dommageable de s'enfermer constamment dans les mêmes cadres. Et finalement, ce qui compte, c'est de faire le bon diagnostic, pas simplement d'avoir des grands mots qui sont le séparatisme, la banlieue. Je crois que tout ça, ça a un peu tendance à cacher la complexité des réalités sociales d'aujourd'hui. Oui, c'était juste pour être à jour parce que cette information passait par les médias chez nous hier et donc j'ai profité de l'occasion pour vous demander votre avis. Voilà tout. On peut rentrer dans le vif du sujet de votre roman. Maintenant, dans les Africains, la chair à canon dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Amine, il est le héros de la libération, pour ainsi dire. Risque sa vie pour les Français. Du retour au Maroc, les Français ne le livrent pas tellement bien parce que, comme on a vu, il est tout de même retenu par la police dans les quartiers européens et chaque fois il doit montrer ses papiers et après il s'excuse. Ils disent: Ah, vous parlez mieux le français que nous, vous avez donné votre vie pour la patrie, merci beaucoup. Mais il fait partie, il se sent mal à l'aise tout de même, notamment au moment où il y a les mouvements d'indépendance qui commencent. Il se sent un peu comme un traître. Il se sent plus attaché nulle part. Au fait, qu'est-ce qu'on sait? Amine, il n'est pas seul. Il y a, je crois, des milliers ou des centaines de milliers d'Africains, les tirailleurs sénégalais, les maghrébins, qui se sont investis dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale, pour lutter pour la France contre l'Allemagne notamment. On connaît peut-être le film Indigène de Rachid Bouchareb, mais sinon, on ne sait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on sait de ce sujet? Que saviez-vous? Est-ce que vous avez tout découvert ou vous êtes conduit dedans?
Vous avez grandi dedans, Je pardon. savais déjà pas mal de choses puisque mes deux grands-parents et mes deux arrière-grands-parents ont fait la guerre pour les Français, la guerre de 14-18. Mon arrière-grand-père est mort après avoir inhalé du gaz à Verdun et mon grand-père a fait la Seconde Guerre mondiale et a été interné dans un camp pendant un an et demi. Ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que mon grand-père, par exemple, ou les autres anciens combattants que j'ai pu rencontrer de sa génération, gardaient une très très grande loyauté à l'égard de la France. Ce qui pouvait surprendre, puisqu'on pouvait penser qu'ils avaient finalement été l'objet d'une très grande ingratitude, donc ils auraient pu être révoltés. Mais mon grand-père, je pense du fait de son éducation, mais aussi du fait de la discipline militaire, de ce qu'il avait vécu aussi avec ses frères d'armes, gardait une très grande loyauté vis-à-vis de la France. Et je me souviens très bien de son aide de camp, qui apparaît d'ailleurs dans le roman, qui lui avait même fait l'Indochine, avait même fait les guerres coloniales. Alors les guerres coloniales, c'était peut-être ce qu'il y avait de plus terrible, parce que dans ce qu'on me racontait, les Marocains que j'ai pu rencontrer qui ont fait l'Indochine, qui ont fait Madagascar, ont vécu un véritable traumatisme. D'abord parce qu'ils ont vécu dans des conditions climatiques très très dures, parce qu'il y avait une très grande violence dans le commandement, mais surtout parce qu'ils se retrouvaient face à des gens qui étaient comme eux, qui étaient décolonisés. Et donc c'était un colonisé face à un autre colonisé. Et il y avait une violence, je dirais, métaphysique, enfin, absolument terrible à infliger ça à ces gens. Donc mon grand-père, par exemple, ou les autres voilà, soldats que j'ai pu connaître de cette époque, ne se vantaient jamais d'être des héros, ne mettaient jamais ça en avant, alors que j'ai pu rencontrer des gens de cette génération qui étaient des Français, fiers de ce qu'ils avaient fait, fiers d'avoir été résistants, fiers d'avoir été sur le front. Pour mon grand-père, c'était une sorte d'espace secret dans lequel il le répugnait un petit peu à entrer. Mon grand-père n'a jamais obtenu la nationalité française. Il l'a demandé deux fois. Et alors qu'il avait fait la guerre et qu'il avait été dans un camp en Allemagne, il n'a jamais pu devenir français pour des raisons qui sont restées assez obscures. Il a eu un visa pour la vie, mais il n'a jamais pu avoir la nationalité française. Donc c'était assez étrange. Et puis quand on regarde le solde qu'il recevait, justement jusqu'au film Indigène qui a donné lieu à une modification, mais c'était un solde absolument misérable. Et puis pour le percevoir, il fallait que ces anciens combattants viennent passer aussi du temps en France, donc d'où ces foyers Sonacotra à Bordeaux, où vous pouviez trouver, il en reste peut-être encore quelques-uns, des anciens combattants de 70, 80 ans, qui vivaient la moitié du temps au Maroc, la moitié du temps en France, pour pouvoir bénéficier d'une assurance santé et se soigner. Et c'est un spectacle très mélancolique, extrêmement triste et évidemment très cruel. Merci beaucoup pour ce témoignage. Elsa, vous avez travaillé sur la question, le premier chapitre de se défendre. Il paraît que c'est un débat assez controversé à l'intérieur de l'armée française, s'il fallait engager les Arabes et les Noirs ou pas. Ça a été un débat à la fois controversé, mais qui a été assez rapidement soldé par le fait qu'effectivement, dans une certaine tradition républicaine, comme c'est le cas en France depuis la Révolution française, la question de la conscription, de l'enrôlement dans l'armée est une sorte de contrat militaire, civique, qui fait que la mise à disposition des hommes pour défendre la nation vaut citoyenneté et pleine citoyenneté. Dans une perspective impériale, pour la France, il était à la fois nécessaire de bénéficier de ce que les généraux français appelaient la force noire, notamment dans ce qui va être l'intensification des conflits avec l'Allemagne. Et pour la France, la force noire, c'est-à-dire les soldats, la soldatesque coloniale indigène, est l'arme secrète de la France. Pour autant, si on enrôle ces millions d'hommes de force, hein, la plupart du temps d'ailleurs, il faudra rendre des comptes sur l'accès effectivement à une citoyenneté, ce qui vient en contradiction avec l'esprit et la lettre du républicanisme. Mais ça, c'est là encore, on ne donnera pas la citoyenneté, ou alors on la donnera de façon très très localisée,
Il y aura énormément de mobilisation politique, des tirailleurs pour obtenir leurs soldes, mais même après, dans les années 50, 60, 70, 80, la mobilisation politique pour la reconnaissance et pour l'octroi d'une pension digne de ce nom, à défaut de la citoyenneté, reste un combat majeur en fait pour l'ensemble de ces familles. Mais là, vous avez pleinement, là encore, l'expression de ce qu'on pourrait appeler ce qui caractérise la colonialité ou le colonialisme ou l'idée de cette continuité, c'est le double standard. C'est-à-dire qu'il y a toujours un double standard qui vaut pour la métropole, ne vaut jamais pour l'Empire, qui vaut pour les sujets, ne vaut pas pour les citoyens. Et évidemment, l'intérêt est de maintenir dans un état de suggestion un pan entier de la population qui est de droit une population enfin, qui est pleinement française. Et vous parliez tout à l'heure du problème des banlieues. Mais en fait, c'est pas la banlieue qui est un problème, c'est cette politique de non-reconnaissance qui est un problème. Sinon, on ne parlerait pas des banlieues. Oui. Ce qui est un problème, c'est précisément ce maintien d'un empêchement dans la vie, dans des droits qui sont dus, en fait. Donc, c'est la réparation de ces injustices. Et lorsque, là encore, on parlait tout à l'heure de séparatisme, par exemple, en France, il faut savoir que ce à quoi on se réfère, c'est aux mobilisations. Des hommes, des femmes, des militants noirs, notamment afro-descendants, issus de l'immigration postcoloniale, qui ces derniers mois sont particulièrement mobilisés et on observe un renouveau politique sur justement cette problématique, non pas d'une demande d'inclusion dans la République française, mais tout simplement de la restitution de ces droits pour des populations entières. Donc, derrière le terme séparatiste, il y a en fait, au fond, une politisation de ces questions. Et sur, on entend beaucoup parler justement des questions militaires, mais on, là encore, regardez ce qui se passe aujourd'hui sur la question de la police, par exemple, sur qui maintient l'ordre et qui est envoyé à la fois au front, mais qui, à l'intérieur d'un espace national, maintient l'ordre. Et là encore, c'est un problème absolument complexe, mais je crois que parler un peu avec une perspective qui est toujours de mettre en rapport ce qui est de l'ordre d'un résidu métropolitain, d'un gouvernement, d'un colonialisme intérieur, et ce qui est de l'ordre d'un héritage impérial. Alors, à peine effleuré la moitié du sujet, ce thème fascinant et passionnant, tous dans toutes les choses dont on pouvait discuter. On peut peut-être retenir que de ce double standard que vous avez évoqué, c'est ça qui a déclenché après les mouvements pour l'indépendance, parce que ceux qui sont rentrés, ils étaient mécontents, ils ont manifesté, et ça a découlé finalement sur les indépendances, celle de l'Algérie, celle de la Tunisie et celle du Maroc. En 56, et voilà, donc on ne parlera. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient encore particulièrement à cœur avant qu'on ne boucle maintenant? Oui, alors ce qu'on n'a pas évoqué, c'est peut-être le colonialisme, ou enfin c'est la position des Noirs justement, qu'on retrouve partout au Maroc. Le Maroc, il a une... depuis 2011, vous avez une nouvelle constitution, une réforme de la constitution avec une nouvelle préambule. Et dans cette préambule, il est fait état non seulement de la nationalité ou de l'identité arabo-berbère du Maroc, mais il y a toute la richesse qui s'est accumulée au cours des siècles, l'apport africain, l'apport juif, l'apport noir, qui est intégré aussi. Et c'est pour ça que vous dites très bien en disant le pays des autres, parce que le pays des autres s'est inscrit dans la DNS du Maghreb. Déjà dans l'étymologie, Maghreb, c'est ce qui est loin, c'est ce qui est étranger, c'est ce qui est bien à l'ouest. Et le Maghreb, il a vu passer
les Phéniciens, les Romains, les Byzantins, les Vandales, les Wisigoths, les Arabes aussi, les Turcs, les Français. Et vous avez donc écrit là un livre qui a une très grande richesse historique, qui est psychologiquement très fin. Et on va attendre avec beaucoup. À quand? On va attendre à quand le deuxième et le troisième volet? Normalement dans 2 ans en français, en 2022. Voilà, et le lecteur allemand, il va d'abord découvrir avec joie Das Land der anderen apparaître dans quelques mois. Et pour Elsa, se défendre. Donc hier, on m'a envoyé les épreuves de la traduction allemande. Donc ce sera peut-être pour bientôt aussi, die Selbstverteidigung. En attendant, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter avant de boucler? J'aimerais bien savoir... si vous deux, vous pratiquez des sports d'autodéfense en tant que femme moderne, jeune femme dans un entourage urbain pas toujours gentil. La littérature est un très bon sport d'autodéfense, donc c'est celui que je pratique. Kateb Yassine disait qu'une femme qui écrit vaut son pesant de poudre. Exactement. Donc, voilà, j'utilise la plume et c'est très bien pour se défendre. Très bien. Elsa, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, non, je pense que si la majorité des femmes sont là, debout, et si elles luttent et qu'elles résistent et qu'elles sont déjà bien écrites d'autodéfense, c'est ça l'autodéfense, c'est pas apprendre spécialement à se battre, c'est aller voir justement tout ce qui constitue déjà des pratiques d'autodéfense et qui n'ont pas besoin de... Elsa, coucou, j'ai pas entendu le reste. Vous pouvez répéter la dernière phrase pour qu'on clôture avec ça. Non, mais je disais que toutes les pratiques d'autodéfense qui sont quotidiennes, extrêmement efficaces et qui permettent les luttes, voilà, et qui ne sont pas reconnues avec des trophées ou des ceintures ou quelconque marchandisation de cette question de la sécurité des femmes. Les femmes sont déjà des experts de l'autodéfense. Oui, alors avec cet appel-là et l'appel à lire ces deux livres, à les découvrir, je vous dis merci d'avoir écouté aux spectateurs et auditrices du monde entier et je vous dis un très grand merci, très chaleureusement merci à vous Leïla Slimani et à vous Elsa Dorlin d'avoir bien voulu discuter avec moi de vos livres et de ce sujet sexe, racisme, colonialisme qui est loin d'être épuisé. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée au revoir. Encore. Merci. Bye bye. Au revoir. Oui, au revoir.